Eh bien, déjà, bonjour à tous, c'est Matt du 29 et donc on se retrouve aujourd'hui, mardi, pour du Car Mécanique Simulator 2015. Alors, du coup, on était sur cette voiture, donc il fallait changer le filtre à huile. Donc, je l'avais déjà enlevé, donc du coup. Ah, bah voilà. Alors par contre je vais mettre par non, comme ça au moins ce sera clair. Donc il faut deux courroies de distribution V8, un filtre à air, un filtre à carburant, un filtre à huile V8, V8. Par contre j'aimerais bien mettre que le moteur. Donc deux courroies de distribution déjà. Donc dans boutique de pièces, moteur. Donc les deux courroies de distribution. Après, il y avait filtre à air, filtre à carburant, filtre à huile V8, plus je sais plus. Donc déjà, les deux courroies, ça c'est fait. Filtre à air, c'est bon. Filtre à carburant, ok. Filtre à huile, ok. Donc il y a pompe à eau V8, poulie de pompe à eau, plus tendeur de courroie. Donc on a dit, est-ce que j'ai retenu? Donc il y a la pompe à eau V8, poulie de pompe à eau, il y a le tendeur aussi je crois. Est-ce que c'est tout? Ok, donc déjà on va remonter, remettre en place tout ça. Donc ici on se met là-dessus, on monte ça, on redescend. Donc il y a des nouveautés, donc bon, pour l'instant au niveau parking on peut pas l'avoir parce qu'on n'a pas tout simplement. Filtre à air, donc couvercle, les fixations. Alors je sais pas qu'est-ce qu'on va mettre au prochain comme prochaine comment on appelle ça, compétence, on verra. Je pense que ça va être peut-être un truc de réparation des voitures, je sais pas, je verrai. Ou alors le truc des détections des pièces, parce que ça aussi ça c'est chiant. Hop. Oh, zut, j'allais oublier ça. Donc du coup c'était quoi? Alors ici c'est bon. Alors la pompe ABS. Donc du coup on va dans T. Dans les freins et donc la pompe ABS. Voilà, donc là on est bon. Par contre, je vais revendre celle qui sert à rien. Ça c'est fait. Donc ici, ah oui, on a toute la. Cela remettre. Tout ce qui est de distri, hein. Donc les courroies et les galets, la pompe à eau, la poulie, plus les deux galets qui restent. Bah il en reste trois parce qu'il y en a un quand on aura remis toute la pompe, toutes les courroies là. Donc le tendeur. La deuxième courroie d'entraînement plus celui-là et puis voilà. Donc après on remet tout ce qui est couvercle de culasse. Bah, le deuxième du moins, ce qui reste. Les bobines. Allez hop. Plus le couvercle. Et normalement. Bah, en fait il reste plus que 40 mètres de l'huile et puis c'est bon. Donc je mets en 1 et je remplis de ville. Donc on met jusqu'à 15$, ça suffira. Pas besoin de mettre plus. Voilà. Donc du coup, moteur c'est fait. Donc il reste tout ce qui est frein. Alors ce qu'on va faire, hein, ce qu'on peut faire déjà, c'est un coup de banc d'essai. Déjà pour avoir le maximum de pièces détectées.
Les freins pour commencer. L'avant. D'accord, le droit c'est vachement bien abîmé. Bon, un peu moins dans le gauche, mais il y a quand même pas mal. Et à l'arrière, c'est comment? Ouais, ça peut aller. Le côté gauche, ça va, mais le droit, alors, par contre, il a 32%. Et donc, du coup, il y a une différence de 26 entre les deux. Alors, les trains de roue sont comment? Ça va. C'est pas trop amoché, mais bon, il y a quand même un petit peu. Et le côté arrière, l'arrière c'est comment? Ouais, ça peut aller. Alors, ok. Ok, tout ça. Après, je peux faire un test sur route, mais bon. Normalement, on voit les pièces. Alors, déjà, je vais changer le pot. Donc, il y a déjà celui-là, celui-là, celui-ci et celui-ci. À l'avant, il y a ce catalyseur là plus le tuyau d'échappement avant. Ça, on peut pas les réparer normalement. Donc, on n'a toujours pas, d'accord. Donc, du coup, c'est dans l'échappement qu'il faut aller voir. Donc, il y a un convertisseur catalytique, deux pots d'échappement arrière V8, un tuyau d'échappement avant V8 et deux tuyaux d'échappement. Donc, c'est parti. On va dans échappement. Donc, il y a un convertisseur catalytique. Deux pots d'échappement arrière. Je crois que c'était deux comme ça plus un comme ça. Donc ça c'est bon. Les deux comme ça c'est bon. Celui-là c'est bon. Et celui-là c'est bon. Donc on replace tout ça en dessous. Et puis après, on peut passer au frein. Alors, ah oui, mais c'est pas grave. Donc du coup, je vais donc dévisser, démonter toutes les roues. Comme ça sera plus pratique pour voir ce qui va vraiment pas. Je vais commencer par l'avant. Parce que ici, je vois déjà qu'il y a ça. Qui a quasiment tout à enlever déjà. Je vais déjà faire ce côté-ci. Alors la crémière, comme elle est bonne, c'est bon. Donc ici, il y a celui-là enlevé. Comme ça. Alors du coup, il faut enlever ça. Je vais faire déjà un côté, puis après on fera l'autre. Voilà. Alors, est-ce que je peux ou pas casser, réparer? Donc déjà ici, celui-là c'est bon, ça il était bon, celui-là c'était bon, l'autre en haut, le capuchon, il était à changer, celui-là était bon. Il y a des silence blocks aussi qui sont morts, je crois. Ouais, déjà, il y a celui-ci à changer aussi. Celui-là, c'est bon, ok. Allez, on va donc aller acheter les pièces pour le côté droit. Donc, du coup, il faut une bielle extérieure, une bielle intérieure de direction. Un couvercle d'amortisseur avant, un moyen de roue avant et un silence block. Alors, donc dans les trains de roue. Donc on a dit. Donc on a dit ça et ça. On a dit un capuchon. J'avais dit. Donc il y a celui-ci. Le moyen de roue avant et le silence block. Normalement, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça, il n'y avait pas besoin. J'aurais pu le garder, c'est pas grave. Ça, il y avait besoin. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Allez, hop, on remonte tout. Non, deux, j'ai dit. Alors, donc ici, il y a celui-ci. Donc, on remet celui-ci. Le moyeu. Il y a les freins aussi. Ouais, il y a les freins aussi.
Alors, au niveau des freins, on a un disque, un étrier, une plaquette. Donc, frein, disque, étrier, plaquette. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc là, on peut remettre cette roue. Et celui-là, pareil. Hop, la roue. Donc pareil, il y a une nouvelle version aussi pour truck mécanique, on verra qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Donc ici, alors ici, donc déjà j'enlève celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ici, il y a juste celle-ci. Celle-ci. Et là, c'est bon. J'ai oublié de remettre un truc là aussi. Tac. Ok, alors, est-ce qu'on peut réparer des pièces? Non, ça sert à rien, il est déjà plein. Donc du coup, un disque et une plaquette. Disque, plaquette. Disque, plaquette. Et puis je crois qu'il y a aussi une bielle de barre stabilisatrice A et une bielle de direction extérieure. Donc on a dit d'acheter dans les trains de roue ça et ça. Ça et ça. Allez, c'est parti. On remonte les freins. La bielle ici. De par sa biélatrice. Plus la biellette direction extérieure. Ok. L'étrier. Et puis on peut remonter la roue. Ça, c'est bon. On est ok là-dessus. Maintenant, on passe à l'arrière. Donc ici, j'enlève déjà. On va faire un côté. Alors, attendez. Silence bloc a changé. Silence bloc a changé. Ici, donc, il faut enlever ça, 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 ça. Alors ici, il faut enlever les sub-moteurs arrière. Le palier, le moyeu. Après, il faut enlever donc toute la suspension ici. Celui-ci. Le bras de suspension supérieur. Donc on est obligé d'enlever normalement celui-là avec ça. Celui-là pareil. Celui-là pareil. Bien sûr, le petit silence bloc. Et puis après, on peut enlever le moyeu. Celui-là est bon. Je vais peut-être enlever la roue quand même déjà. Bon. Alors, à réparer. Donc, celui-ci est cassé. Celui-ci, c'est bon. Ok. Alors. Du coup, on a un amortisseur arrière A, une bielle d'extrémité de barre stabilisatrice, un logement d'essieux du joint d'essieux arrière A, un silence bloc, deux silence blocs. Allez, c'est parti. Donc on fait T, bien sûr, pour aller sur la tablette. Donc train de roue, alors. Donc on a dit... Amortisseur arrière A. On a celle-ci. On avait donc le silence bloc 2. Il y avait aussi le logement. Le logement d'essieu arrière A, je pense. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ouais. Ok. Très bien, et ben c'est bon. Allez. Donc, du coup, les deux silence blocs qui étaient morts, c'est ceux-là. Ok. Le logement. Merde, j'ai tout vendu les pièces qui étaient mauvaises. Hein, donc maintenant, il n'y a plus qu'à remonter les bonnes. Ok. Donc celui-ci. Celui-là.
Amortisseur. Ah, il manque les freins aussi, j'ai oublié. J'ai encore oublié les freins. Hein. Ah, il y a juste un disque de frein à racheter aussi. Un frein, disque. Du coup, voilà. Donc le moyeu qui était bon. Je remonte d'abord tout ce qui est suspension pour que ce soit plus simple et que je ne mélange pas les pinceaux après au niveau des pièces. Et puis pour voir plus clair aussi, c'est pas plus mal. Donc ici, le palier, le moteur arrière, les plaquettes, l'étrier et la roue. Allez, on passe de l'autre côté. Donc on démonte celui-là. Donc ici, à quoi il y a le palier. Celui-ci. Et puis, celle-ci, ok. C'est tout. Je pense que c'est bon. Ok. Bon, bah très bien. Alors du coup, est-ce que je peux réparer des pièces cassées? D'accord. Donc il nous faut un disque et un étrier. Donc disque, étrier. Disque, étrier. Pour le train, qu'est-ce qu'il nous faut? Une bielle d'extrémité de barre sabligatrice, un bras de suspension arrière B et un palier de moyeu de roue. Ok, donc on a dit... Je crois qu'il y avait celui-là. Le palier. Et... le bras de suspension arrière B. Je suis pas si mal. Allez. Du coup, on va de l'autre côté. Donc, je vais d'abord remonter tout ce qui est suspension, comme d'hab. Ce sera plus facile. Donc, après, qu'est-ce qu'il manque? Celui-là. On peut remonter les freins. Ah, dis-moi, le reste des freins. Le palier. Et le moteur arrière, c'est mon arrière plutôt de monde. Et la roue. Allez hop, c'est parti. Et cette voiture, elle est bonne. Ok. Donc toi, qu'est-ce qu'il va faire dessus? À la mettre sur le pont. On va prendre celle-ci. Allez. Ça c'est nouveau aussi. Il y a le une affiche d'un turbo qui est affiché. Il n'y a pas des. Non, accélération brillante, d'accord. Donc c'est le bon échappement. Alors sur celle-ci, qu'est-ce qui n'allait pas? La direction et la boîte de vitesse. Ah bah vous savez quoi? Je vais faire directement moi. Je vais pas le faire des tests sur route, mais il suffit de démonter et puis on voit tout de suite qu'est-ce qu'il va pour. Vu que les pièces sont rouillées automatiquement. Et pour la boîte, à mon avis. Hop. Donc ici, déjà, il y a les deux bielles d'extrémité dans les directions qui sont mortes. Ensuite, on a. La bielle d'extrémité de barre sabligatrice. Ça c'était pour l'avant.
Alors pour l'arrière, je vais enlever les roues, ce sera plus simple, on verra plus clair déjà. Donc ici j'ai les arceaux de dresseur à lame, plus le plateau, les silence blocks vont bien. Ici je vois rien. Ici il y a juste un arceau. Et puis la boîte de vitesse, ça c'est autre chose aussi. Donc, du coup il faut enlever l'arbre de transmission. Après, il manque le démarreur. Et là, on peut enlever la boîte. La boîte, en fait, il n'y a qu'une sorte de pièce à chaque fois, donc ça va. Donc ici, on va enlever ça déjà. Donc le plateau. Alors, le disque est mort déjà. Je pense que c'est tout. Bon bah, il n'y a plus qu'à... Alors, est-ce qu'on peut réparer des choses? Allez, il y a une pièce sur les trois. Alors, sinon... Donc, au niveau train de roue, il faut deux arceaux de ressort à lame, une bielle d'extrémité de barre stabilisatrice B, et deux bielles de direction extérieure, et un plateau. Donc on a dit, c'est laquelle, c'est la A ou la B? Non, c'est la B, donc il y a deux comme ça. Deux arceaux et un plateau. Et normalement je suis pas mal. Ça c'était pour les trains de roue. Boîte de vitesse, disque d'embrayage. Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à remonter. Je vais commencer par la boîte. Hop. Et puis après, on finira par les trains de roue. Avant et arrière. Hein. La boîte. Le démarreur. Et l'arbre de transmission. Hop. Et voilà. Alors je vais continuer avec l'arrière. Donc ici il y avait le plateau plus les deux arceaux. La roue. On passe de l'autre côté. Donc il y avait l'arceau. Et puis la roue. Et puis c'est bon, voilà. On est bon. Ça c'était pour l'arrière. Oh. Alors, donc ici on avait celui-là. Plus la bielle d'extrémité de barre stabilisatrice B et la roue. Alors de l'autre côté, on avait juste la bielle d'extrémité de barre stabilisatrice de direction. Hop, et voilà. Allez, ça c'est bon, c'est terminé. Bon, toi, on va se mettre sur le pont de gauche. Et toi, je vais m'en prendre une autre. Alors du coup, la maille est 8. C'est parti. Alors du coup, là, on va sur la celle qui est sur le pont de droite. Alors, là, il faut déjà changer le filtre à huile.
Et puis changer l'huile, tant qu'à y être. Donc filtre à huile, c'est en dessous. Mais vu qu'il faut changer l'huile, autant que je prenne le réservoir d'huile. Hop, on se met en dessous. On dévisse et c'est parti. J'enlève celui-là. Hop, et c'est bon. Alors du coup, on se rachète le filtre à huile V8. Moteur. Filtre à huile V8. Voilà. On se met en deux. Et on remet le filtre. On remet le nouveau. On baisse. Enfin, ça, c'est vachement rapide. Ça. Filtre. Quand il n'y a que l'huile à faire, franchement, il n'y a rien de sorcier. Et on remet l'huile. On attend que ça charge et puis après c'est bon. Hop. Allez. Voilà, c'est bon. Bon, allez, je vais remettre un petit peu. Voilà. Alors après, il faut... Il y a les trains de roue qui sont morts et puis sans doute le pot d'échappement aussi. Alors même sans faire les tests, je peux déjà aller. Bon déjà, il y a celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Celui-ci aussi. D'accord. Donc ça c'était pour le pot d'échappement. Donc du coup, j'aurais pu rester dessus. Du coup, au niveau de l'échappement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un convertisseur catalytique, deux pots d'échappement au milieu et deux tuyaux d'échappement. Donc on vient dans échappement. Donc il y a un comme ça. Il y a deux pots d'échappement au milieu plus deux comme ça. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Allez, on remonte. C'est parti. Ça, c'était pour l'échappement. Maintenant... Je vais démonter les roues. Alors ici, on a le palier. Là, je vois qu'il y a le silence bloc. Ici, le silence bloc est bon. Par contre, je l'ai mort. Ok. Hop. Donc par contre, non, ça on est obligé d'enlever parce qu'ici je vois que celle-ci est morte. Ah oui, c'est vrai qu'il faut enlever la roue avant d'enlever ça. Normalement je peux enlever cette pièce là, donc la bille d'extrémité de parcelle biliatrice. Celui-ci, alors celui-ci est mort. On continue de ce côté-ci. Non, ça, ça va. Tant qu'à faire, autant tirer tous les silence blocks. Hein. Bon, sinon, tout va bien de ce côté-ci. Ok, bon. Casser. Réparer. On n'a pas de... On peut pas encore. On n'a pas encore gagné 1000 points. Donc il faut 1000 points. Alors, de ce côté-ci, il y a à racheter quoi? Donc il y a déjà une barre stabilisatrice arrière B. Une pile d'extrémité de barre stabilisatrice arrière. Un bras de suspension arrière. Deux silence blocs. Un palier de moyeu de roue. Et un ressort arrière. Allez, c'est parti. Donc il y avait... je crois que c'est l'arrière A, donc il y a une comme ça. Il y avait ça. Deux silence blocs et un ressort arrière. Je vois pas si mal. Là. Ah, pas de bol, c'était la B. Bon. Pas de bol, c'était la B. Donc ça c'est bon, cela c'est bon, ça c'est bon.
Les deux silence box, c'est bon. Et donc le palier. Ok, normalement il est un peu plus bas. Voilà. Mira. Le frein il est pas. Les roues sont bonnes, ça va. Alors, allez, c'est parti. Donc celui-là, 100%. Celui-ci a changé. Celui-ci, il était mort. La barre stabilisatrice arrière B. Celle-ci était morte. Celui-ci était à changer. Celui-ci c'était pareil. Celui-là à remettre. Celui-là c'est pareil. Celui-là aussi. Donc ici il y a un silence bloc à remettre. Celui-là. Et on peut remettre la roue. Et puis après ça, je pense que ben, pour la prochaine tour, on fera le reste. Donc ici, j'ai celui-là enlevé. Donc il y a tout ça. Plus celui-là. Et donc on verra ça la prochaine fois. Donc on rachètera les pièces qui sont mortes et puis ça sera bon. Allez, on se dit donc du coup à demain pour du Truck Mechanic Simulator 2015. Sur ce, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits pouces bleus de temps en temps si vous voulez. Et puis bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao ciao et à demain.